Dans le grand parc, solitaire et glacé, deux ombres ont tout à l'heure passé. De quoi vous mêlez-vous? Et qu'est-ce que vous pensez, madame, de l'idée qu'il a de s'embarquer comme médecin à bord d'un paquebot? À son âge, capable comme il est? On n'y pas cuisine avec ces histoires. Enfin... Assez! Le mari doit protection à sa femme. La femme doit obéissance à son mari. Articule! Articule, bourreau d'imbécile! On dirait que tu racontes ton chapelet, là! J'ai aperçu un visage d'enfant, pensif et pénétré. L'enfant a été bien jeune, quoi, il avait confiance en moi. Quand on a, dis-je, ces cheveux-là, on saurait trop recommander le massage à l'huile. Mais, madame, c'est la purge du cheveu, et ça n'est aussi la gymnastique suédoise. Pardon, madame, vous permettez que je prenne l'échantillon. Qu'est-ce qui vous a pris de venir me voir, un hasard? Non, une nécessité. Fauché? Plaît-il? Enfin, vous avez besoin de moi? Oui, peut-être. Fous le camp, hein? Fous le camp ou je t'assomme, dis! Hein? Les enfants se transforment brusquement. On les borde un soir dans leur lit. Bonsoir, mon petit. Et le lendemain matin, tout à coup, on a envie de leur dire bonjour, monsieur. 4 × 12, ça fait combien? 46. Bon, alors où est mort Saint-Louis? Je ne sais pas. Oui. Dans une guerre. Quelle guerre? La guerre de 100 ans. Oh, ben, je ne suis pas certain, vous savez. J'ai jamais été si heureux de ma vie. Vous ne regrettez rien? Absolument rien. Ni personne? Personne. Pour moi, le passé n'existe pas.